I hope you can hear me now. Welcome to the conference, everybody. I will quickly mention that if you haven't selected your language yet, please do so next to the chat. It says your language, and then you can choose the language you prefer to follow the meeting in. You can use the general chat, and the messages in there can be translated. If you go over a message and you click there, the little translate button appears. You can translate it, so feel free to write in every language you prefer. I think I have said it all. So Thierry, the floor is yours, and I'll pass it to you. Cannot hear you. Could you please do this again so that we can hear you actually? That would be great. Okay, I'll pass the floor back to you. We cannot hear you still. Have you given access to your microphone? Because there is nothing we can hear from you. Could you please refresh your browser, refresh the page, and come back so that we can see and check if your microphone is working again? That would be great. Maybe there is something with your headset. If so, please unplug it and refresh the page again. We will wait a couple of seconds for you to come back, and then we will continue. In the meantime, I will quickly pause the event, and then we can continue with the conference. Thank you for understanding. And welcome to the people that haven't that have just logged in. I think that everything is solved. So we're going to check this once again and hope for the best, of course. So Thierry, if you're ready, I will pass the floor to you. Here you go. So we will again see what is happening here, I am really going to check this so that we can continue with the conference. So I will go to the first speaker that is available. I will quickly move the slides for you guys, and I will give the floor to Eric. Eric, you can start with the conference, and the floor is yours. Or a technical issue with him as well.
So unfortunately, I'm going to pause the conference again. Thank you very much for understanding. We will solve this as soon as we can so that we can continue with the conference. Thank you very much for your patience, and we will get back to you as soon as we can. De voir apparaître ce qu'on appelle des lieux de travail délocalisés. Donc, des centres de travail qui étaient en périphérie des centres urbains où les gens pouvaient évidemment se rendre pour aller travailler à distance. La seconde phase, évidemment, je ne vous apprends rien. Elle a été, je vous dirais, magistrale dans son déploiement puisque c'est avec l'arrivée d'Internet que tout change. Par ailleurs, la troisième phase, ben, c'est celle que l'on connaît, je vous dirais, depuis de nos jours, là, celle qui s'est enclenchée il y a environ, je vous dirais, cinq ou peut-être même un peu plus, là, cinq années ou peut-être un peu plus. C'est celle qui a donné lieu, évidemment, à l'apparition de la plus grande, d'une plus grande mobilité en raison des appareils portables notamment. Mais c'est aussi le recours à l'info numérique, l'utilisation d'applications aussi permettant le travail collaboratif, mais aussi la tenue de vidéoconférences comme celle de ce matin qui comporte évidemment, vous l'avez très bien vu, quelques pépins techniques à l'occasion. Autrement, depuis la crise que nous connaissons, évidemment, c'est une organisation beaucoup plus rapide, mais aussi improvisée du télétravail à laquelle nous assistons. C'est évidemment un recours plus important au télétravail là, qui est en train de se dessiner. Évidemment, c'est un recours à des mesures qui ont été mises en place, de certaines dispositions là, en vue de l'après-crise là, qui sont en train d'être élaborées, je vous dirais, par différentes organisations et gouvernements. Que nous réserve demain, sinon à travers la prise de conscience collective que nous faisons ces jours-ci sur de nombreux plans, économiques autant qu'écologiques, c'est l'adoption évidemment de plans de déploiement au sein des organisations et des gouvernements. Évidemment, c'est l'adoption accrue du télétravail chez les travailleurs parce que tout ça est facilité pour eux, bien entendu. Ensuite, évidemment, on s'entend pour une chose, c'est que c'est fort probablement la réalité d'un futur proche, le télétravail. Je voudrais me pencher avec vous maintenant sur la question, en fait, les avantages, les inconvénients et les défis que pose le télétravail. Au niveau de ses avantages, c'est évidemment une gestion plus autonome du temps de travail. Ça correspond aussi à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est ce qu'on recense de plus en plus dans la littérature courante à ce propos. Évidemment, ça contribue à une réduction notable du stress généralisé, je dirais. Une augmentation générale, donc par conséquent, du bien-être au travail. Autrement, c'est la réduction du trafic routier, bien entendu, en raison des déplacements qui sont plus que limités, et ce qui participe évidemment d'une réduction des gaz à effet de serre. Ça participe également d'une réduction des risques d'accidents routiers, une réduction aussi forcément des risques sanitaires dans le contexte que nous connaissons ces jours-ci. D'autres avantages, une réduction importante, voire une élimination de nombreux frais pour les entreprises et les gouvernements. On pense entre autres au parc immobilier, on pense aux lieux physiques forcément qui sont inoccupés depuis peu. On pense à tous les frais liés à la maintenance et aux entretiens. Ce sont des frais quand même assez importants dont on commence à prendre le pouls, je pense, au niveau des organisations et des gouvernements. Une augmentation de la productivité, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est ce que l'on constate et ce qui est rapporté par certains gestionnaires à l'intérieur de la littérature plus récente portant sur le télétravail. Et ça participe évidemment d'une revitalisation des régions, au détriment, je vous dirais, des grands centres, mais évidemment, on constate qu'au niveau du commerce local, par exemple, et de la reprise des activités dans certaines collectivités locales, on constate qu'il y a une revitalisation des régions qui est à l'œuvre présentement, du moins au Québec. Au niveau des inconvénients maintenant, on constate dans la littérature récente également que c'est l'isolement ressenti par les personnes qui est probablement le problème le plus saillant.
Autrement, ça comporte évidemment des problématiques qui sont liées au droit à la déconnexion, c'est-à-dire cette frontière entre le travail et la vie privée. Autrement, ça comporte aussi des difficultés qui sont liées à la gestion à distance des ressources humaines, problématiques qui sont évoquées surtout par les gestionnaires, bien entendu. Ça implique évidemment une réorganisation du travail et de sa planification en dehors, si vous voulez, des modèles de gestion actuels. Également, ben, on a ce problème de délocalisation de la main-d'œuvre qui peut comporter des problématiques de type cheap labor, au sens où dans la gig économie actuelle, il peut y avoir des enjeux quand même assez importants au niveau fiscal, entre autres. Mais le fait, en fait, que les gens puissent être un peu partout et travailler pour n'importe qui, ça peut impliquer un certain nombre de problématiques. Autrement, la différenciation accrue entre les groupes et leur statut, c'est-à-dire ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne le peuvent pas, ce qui pourrait comporter des problématiques du genre ceux qui sont avantagés et ceux qui ne le sont moins ou ne le sont pas du tout dans ce contexte-là. Autrement, évidemment, on a des problèmes liés à la sécurité informatique qui sont évoqués fréquemment, bien entendu, en raison du partage de données et de la protection de ces mêmes données. Autrement, on a fait un problème plus récent qui est identifié par certains groupes de protection de l'environnement qui concerne ce qu'on appelle la pollution numérique, l'usage de la bande passante et tous ces appareils connectés qui sont, somme toute, à un certain point énergivore. Ça contribue évidemment à une chute de l'activité économique dans les centres urbains en contrepartie de cette revitalisation des régions à laquelle je faisais allusion plus tôt. Un peu plus tard, en discussion, je pourrais vous faire un petit topo, si vous voulez, sur les différentes mesures et les programmes que propose le gouvernement du Québec pour faciliter le déploiement et l'implantation du télétravail à partir de ces mesures qui sont identifiées ici et sur lesquelles je reviendrai afin d'illustrer ce qui est en place ici présentement au Québec pour faciliter cette implantation du télétravail. En conclusion, je vous dirais ceci, dans un monde qui est depuis peu transformé par les technologies numériques, où l'on constate aussi les répercussions majeures qu'en notre empreinte écologique et les risques qui lui sont associés, il importerait de réfléchir davantage à l'apprivoisement des outils nous permettant de mieux communiquer, de mieux travailler, mais aussi de mieux vivre ensemble. Le télétravail, en ce sens, est une solution qui est à portée de main. Il constitue un modèle d'activité, certes, mais il pourrait devenir aussi un moyen à partir duquel il serait possible, à moyen terme, d'envisager la transformation de notre rapport au travail. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous reviens plus tard lors de la discussion. À vous. Les problèmes techniques sont résolus avec toutes nos excuses. Sans plus tarder, puisqu'on a pris un petit peu de retard sur notre programme, je vous propose de donner la parole à Lenka Kint et Annick Bergel, qui vont vous présenter maintenant plus une expérience vécue du télétravail et de la médiation au VDAV, le service de l'emploi flamand en Belgique. Voilà, merci. Je passe donc la parole à Lenka. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle donc Lenka Kint. Je suis responsable de gestion de compte stratégique à la VDAV et j'ai donc une présentation s'agissant du VDAV et je vais co-présenter avec mon collègue. Merci beaucoup, sans plus attendre, je vais donc céder la parole à Thierry. Oui, bonjour. Bonjour, en espérant que maintenant les problèmes techniques sont résolus.
avec toutes nos excuses. Sans plus tarder, puisqu'on a pris un petit peu de retard sur notre programme, je vous propose de donner la parole à Lenka Kint et Annick Bergen, qui vont vous présenter maintenant plus l'expérience vécue du télétravail et de la médiation au VDAB, le service de l'emploi flamand en Belgique. Voilà, je vous remercie. I think the floor has to be given to Lenka first. You can hear me. My name is Lenka Kint. I'm strategic account manager at VDAB, that's the Flemish PES in Belgium. And I will have a presentation about telework and mediation at VDAB together with my colleague Annick Bergen. VDAB has already a very long history and a great experience in working remotely. Let's have a look at the evolution. Once upon a time, very long ago, VDAB introduced the so-called channel mix. The principle is the following: face-to-face contact between mediators and job seekers is not always necessary. Very often, the contact can be done by phone, by mail, by email, etc. And the intention of the channel mix system was that mediators would also come into contact with their customers by telephone, email, etc., instead of having to invite them to the office every time. However, this system never really found acceptance with the VDAB mediators. They maintained as much as possible face-to-face contacts with the job seekers. In 2018, then, VDAB launched the new contact strategy. It's not very new anymore, but we still call it the new contact strategy. And the process consists of three steps. Digital first. The first step and the first reflex is to use digital devices to deliver services and to get services. So it's for the mediators and the job seekers. VDAB has online services 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. The second step is human digital. If the customer needs more help, he can always have it by contacting a mediator by phone, mail, video chat, etc. And the final step, the third step, is face-to-face. Only when the first two steps don't work, it means only when really necessary and with an added value, the mediator meets face-to-face with the customer. That's regarding the service delivery. Regarding the staff, in 2019, VDAB introduced the so-called in Flemish PTOW. In English, it is WIPT, working independently of place and time. Every staff member had already his laptop. We all got a mobile phone, and we could work one day a week from home and one day a week from another VDAB office. But then we had the COVID-19, the Corona crisis, and the pandemic accelerated the digital work. Instead of working independently of place and time, we had to work 100% independently of time at home. There were no face-to-face contacts anymore with customers, colleagues, or the team leader. And even if we practiced already remote work, still it was a big turnaround and adjustment. I leave now the floor to my colleague, Annick. She is mediator in the sector services to companies and individuals, and will tell us how she experienced this 100% teleworking in her daily tasks. Annick, you have the floor. For me to share my experience of working at home with all of you. My name is Annick Bergen. I work as a mediator in a rather big team in a city called Diest in the Flemish part of Belgium.
My team is called Services to Companies and Individuals, meaning that I deal with people who are looking for a job as cleaning people, hairdressers, kitchen helpers, bartenders, but even social workers as well. As Lenka already told, we were allowed to work from home for quite some time already, but I only worked at home, let's say, 1 or 2 days maximum in the period before the lockdown. So on Monday, March the 16th, that was the first day of our lockdown, me and some fellow colleagues still went to work. And because we didn't really know what was expected from us, and we still went to the office for business as usual. As soon as we arrived, it was quite clear that we were not welcome anymore. Our team leader sent us home. And I remember I grabbed some things like a keyboard, a mouse, because I really don't like working all the time on a laptop. So I use my keyboard and an external mouse, and also a headset, which I'm using right now. And I went home. So I installed myself at the kitchen table and I started working. And to be honest, I really think I felt lost. I think it was because I missed my daily routine, you know, getting up on time, take a shower, prepare sandwiches for lunch, drive to the office, have a coffee and a small talk with a colleague. And I was lost. And the first 2 weeks, I really struggled with the new way of working. I missed my team members, I missed the talks, I missed the interaction with them. And I also felt like I had to be available every single moment of the day. I remember I even took my cell phone to the toilet, to the little room, because I was afraid I wasn't answering a phone or my team leader could call me and I thought I wasn't working. So it was really adapting myself to a new way of working. And then all of a sudden, I began to see the advantages of working at home. There were no morning rushes anymore. There was no stress to get in time in the office. I even could go out for a walk during lunchtime. I was at home when bpost or Zalando or Amazon delivered a package. And sometimes I even found time to prepare dinner during lunch break. Then soon I moved from the kitchen table to a place upstairs where I'm sitting right now as well. And I discovered another advantage. I wouldn't have to leave my desk clean in the evening as I was used to, but I could leave everything on the desk and go home again. Then in contacting my clients, I call them clients, these are the people who are unemployed and looking for a job. At first I contacted them by mail or by phone, a bit like I was used to. And in fact, I didn't use, for instance, video chatting because I found every possible excuse, it was intruding in their personal lives. Maybe they didn't have the right equipment. Maybe they didn't like to do it. And that every single excuse was good. And I was used to doing it with colleagues because we still had our little talks through video chat or even with my daughters. I have 3 daughters who don't live at home anymore. And during the lockdown, I couldn't see them. So I had to chat with them through video chat. But still, it was an obstacle for me to use that tool with clients. And then, at a certain moment, I got stuck in a conversation with a client. And in a normal face-to-face conversation, I would have turned my screen and show her what I was telling her. But that wasn't possible. So I thought maybe I should suggest that I go to a video call with her to switch the conversation to a video chat. And then I did so. I first checked if she had a computer with a camera and a video.
and also with noise and an internet connection, which was the case. So I could turn the conversation into a video call with her. And then I was able to show her my screen. I could share my screen with her and show her what I was telling. And as of that moment, it was for me the occasion to introduce video chatting with my clients more often. So I didn't need the face-to-face conversations anymore. In the meantime, we are all allowed to have face-to-face conversations again, but only for those clients who are not reachable. So people you can't reach by phone or by mail or by video call. And I must say, for me personally, I still love to have at least one face-to-face conversation, because you can see so much more through a personal conversation. You can see how people behave, how they are dressed. You can read between the lines. And I think that is also very important. That is something you cannot do through a video call, or maybe do it through a video call, but not through a telephone call or a mail. So, for me, it still is an added value to see people just at least once during the contacts. What more can I say? Maybe I can say, and that is something that Eric, I believe, said as well, I think I work more efficiently now I'm working at home, because when a colleague gets a telephone call, I don't get disturbed. When somebody pops in the office, I don't get disturbed because I'm sitting here all by myself alone. So I guess I work more efficiently now I'm working at home, but I still miss the contacts with people, with my colleagues, my team members. And therefore, with the closest team members, we try to have a video call at least once a week to talk about our jobs, but also to talk about small talks, about family, like we used to do the social talks. Our team meetings were also through video call. And only last week, we had our first team meeting in 6 months. And I must admit that it was a bit awkward to see each other again. We were all very excited to see each other again. But at the same time, it wasn't normal anymore. So we got very used to working from home and to see each other only through video call. So I guess we all get used to working at home. And I think it's still worthwhile to see each other in real life and to have real conversations as well. So this is my contribute. I don't know if there are other questions, or maybe Lenka wants to tell you something more. Maybe I can also tell that our team leader try to have contact with each of us individually, in smaller groups and in team group. For instance, unfortunately, my mother-in-law died from COVID-19 during the lockdown. And although I knew my team leader was very busy at the time, he still found the time to call me, to ask me how I was doing, how I was struggling with it, and that I really appreciated. And I think that is very important as well, to keep the social contact, the human contact, and we mustn't forget that. Now I give the floor back to Lenka. Thank you, Annick. So as a conclusion, we can say that by forcing digital work, the channel mix has developed a lot. And a number of things worked, even if we didn't think it would work, but a number of things didn't work. So regarding the quality of this experience, it's a little bit too early to draw conclusions about the quality of this new kind of service delivery. Why? Because we don't have a normal labor market nowadays. The fact that job seekers cannot find work
may be due to the 100% digital services, but it also may be due to the fact that there is no work to find for the moment. So the quality must be taken out of the figures in the long term. But VDIB absolutely wants to go further. And at VDIB, we want to do the mediation and the services to job seekers digitally proof. But there is still work to be done. There are some legal aspects that are not like it has to be. So from a juridic point of view or in the communication with the clients, there is still work to be done. The tools have to be GDPR proof. We have to find the right balance between teleworking and face-to-face contact. And that's why at VDIB, we launched the project Digital the New Normal, where we analyze what do we keep, what can we keep, if it is legally anchored, etc. So this was our presentation. Thank you for your attention. I don't know whether I have to answer the questions right now or a little bit later. Merci beaucoup. Merci Lenka, merci Annick pour ce témoignage, en tout cas ce témoignage vivant. On voit bien l'ambiguïté qu'il y a dans le développement du télétravail, à la fois de travailler sur la barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce que ça va impliquer aussi en termes d'organisation, de management, ce que ça implique en termes de services. Et je vous propose, pour compléter un petit peu le panorama, de voir maintenant l'expérience de l'Arbetsformatlingen, nos collègues de la Suède, à travers l'expérience qu'ils ont portée sur le téléleadership. Et pour cela, je vais passer la parole à Anna Palgren, la responsable de service de l'unité Digital Management de l'Arbetsformatlingen. Hello everyone, I'm Anna, nice to meet you. It's a very interesting day today, I have to say. It's been very interesting to see how you solve all these problems that actually happen when we're doing this in teleworking. But still, it works perfectly now, so hopefully you can hear me as well. Okay, so I am Anna Palmgren, and I work at Swedish Public Employment Service. And with me today, I have Jens Wretling and Camilla Weide. They will also speak in a bit, at least Jens will, and Camilla has helped out with all the beautiful pictures, if you're interested in that. So just to let you know, we are 10,600 employees now. We used to be 14,000 when I was in Marrakesh 2 years ago, but it's changed since then. We are now 7,500 who have direct contact with clients, and we have 2,500 who work with customer services, such as emailing, telephone calls, and sometimes video calls as well. And the local offices meeting customers are 6,700. So mostly people are working still locally, but today, obviously, they work from home, most of them. 2,500 people work for the head office and support the rest of the organization. And out of these people, 730 people are managing this. So this is a bit of a change for us. And we would like to start to talk about what happened in 2014, because this is a big change for us. We, the Swedish Public Employment Services, started to formulate a new leadership in 2014. It was a philosophy that focuses on trust-based management, less hierarchical leadership, and giving more space and responsibilities to all the employees. It's a flat organization with self-leadership, that's what we call it, in focus. We also started to listen more to what the customer actually wanted and needed. We had, of course, asked them before, but actually, to be honest, we assumed a lot and developed our services out of these assumptions. And this is different now, because the results that came from all these customer journeys
were that our values became much more important. This is 6 years ago. So we've worked with that for quite some time. And I would say that today it's a different situation than 6 years ago. We work much, much more with our values within the Swedish Public Employment Service. And also the trust-based leadership has changed the way we work together. Everybody feels more autonomous and work more with our self-leadership. And of course, the customer journeys that we made, a lot of them, we are so many interviews, I would say probably around 10,000 interviews were made. That made us understand what we have to do to meet the customers. And everybody, and that means even if you had any disabilities or didn't speak the language, they wanted to start in the digital way. And we now meet our customers where they want to be met. Some people like to chat, some people like to use the phone, and some people, of course, like virtual meetings like these ones. So it's a bit of a difference than what it used to be when we always met them face to face. And of course, you've heard about Corona, and I'm sorry that I listen now to the Belgic Annick, who told us about her mother-in-law. I'm very sorry to hear about that. And some people, of course, have many traumatic memories from the pandemic. And I am very, very sorry to hear about all these tragic feelings that people have. And of course, the pandemic has also changed the way we meet people in Sweden. I'm sure you've heard about how we handle the pandemic. It's a bit different than the rest of the world, but I will say that when it comes to our digital tools, it's amazing what has changed. Ladies who are 70 years older than 70 years or older, they have actually increased their shopping online by 800%. It's a huge difference for us. So that's a new market where people can actually think about how we could work with that. And also Swedish citizens have chosen to meet doctors online, of course. It has increased, the numbers have increased by 1,000%. And also when it comes to job seekers then, they tend to get in touch with us much more digitally. So in 2019, we had 44,000 registered job seekers online. And in 2020, it was 177,000. So it's an increase of 400%. And we think this is mainly because of the pandemic. And of course, the situation made us work from home as well. We had to learn a new digital tools and work with social distance. We had to think and work from a different way than we did before, of course, and it increased, unfortunately, our unemployment rate a lot. We now see very high numbers, up to 10%, and we haven't seen those numbers for many, many years, maybe never. And it has made us reorganize our organization. So we moved 650 employment offices from the local offices into our customer services, and it actually went quite smoothly. So from 1 week, they met people face to face, and then they changed to meeting them only online. And it has worked perfectly well. I think the huge difference was the leadership that we actually worked with before this happened, and it made it possible to see what kind of possibilities this was. And in order to show you all of this, I have now Jens from Köping, who is coming in and letting us know what the manager said. You have interviewed them. Jens, are you with us? I give the floor to you. There was no sound, I think. Is that correct? Let's see here. Thank you.
All right. Okay, so we'll see if Jens will be back with the sound in maybe just a few minutes. I think he's checking right now. I can see that. So let's see if Jens is coming back to us. Is it working? So what we have to do in this teleworking times is patience. We have to work with our patience, right? It's very interesting to just see what happens. I can say what Jens wanted to say. So, all right, I'll be Jens for a moment. And for everybody who wanted to get to know Jens, you saw him for a short period of time, and you will also see him in a film that we will let you all have after this meeting. So you'll see the full interview with this manager, first floor manager, who actually thought there was a huge difference in working from home. First of all, she felt a bit strange, like, do I really have to do this? I think I could definitely see how that feeling was. And she also felt like she had to learn a lot, and especially the digital tools that we work with here in Arbetsförmedlingen, which is, of course, a bit of a difference depending on what you're used to before. But she also says that it's a huge difference now, that she actually likes working with the digitized world. And also that all her employees, some of them were the ones who were moved from the local offices into the customer services, they actually like working there now. So they have applied for jobs there so they can stay in the customer services where they before really didn't want to work. So it has made a huge impact. And I would say that if you have the possibility to see the whole interview, please do that. It's very interesting to see her thoughts. Okay, so I will continue and show you as well. This is, of course, Jens, so you can see what he looks like, and the first line manager, Molly. All right, so who are we? We are digital engagement, and this is our business. This is what we do. We try as much as we can to adapt and nudge people into trying new digitized tools and the digitized world. Because of course, we have to continue working with this in the society. It's not because we want it, it's because the customer wants to. All right, so we inspire, we involve, and we engage as much as we can. We spread the knowledge, sharing news, we pack content as much as we can, and we create the conditions for the employees to increase their digital skills. But of course, it's nothing if the customers don't use the digital services. And now I have to say that they are using it a lot, much more than what they did before. And if you want to increase your digital skills, let me give you some advice. You could, if you want to, try digitalajag.se. It's now translated into English. So everybody who wants to try that, please do. You could always also use Google Translate. So it's also in French and Spanish if you're interested. This is our collaboration with Google that we started in 2017. And it's made 100,000 people, Swedish citizens, much more interested in how they can be more digitized. It's, for example, how you use secure homepages, how you pay digitally, how you work that way in the society that we live in today. So I would say that if you haven't tried it, please do. It's very interesting to see, and you could learn a lot. We have also these days increased the numbers. So we have about 4,000 people who have tried the online courses that we have. They are 45 minutes to up to an hour. And they're live sent. So if you're interested in that, you could do that as well. We also nudge our staff to lifelong learning through our own platform called Digitalportalen.
It's something that we use so people can see short articles, do short courses and quizzes. So you get more interested in the digital world. And we also made these open to other governments who are interested in this, because obviously if we are developing something that is good, some people want to know more about that. And why should we just keep it to ourselves? We think it's nice that everybody use them. It's called OpenDigi, and you can just download it into your intranet and use it daily. So I would say that this is a good thing, and we try our best to do open data interests in the government world. It's a bit tricky sometimes, but we do our best. And we are a small section. We're only 9 people, and that means that we have to be very flexible, autonomous, customer-oriented, and we always seem to think that everything is possible, like now, for instance. So let me just leave you with some friendly advice. My first advice is that you use known digital tools, because for people to start using new digital tools, it's a much higher bridge. So if you can just try to use the ones that your kids use or your parents use or whomever, try that first. And we have digital ambassadors within Arbetsförmedlingen that we use a lot. We give them as much information as they need, and they can try the new tools and then introduce them into the normal way for everybody to work. And try to be a role model, try some new things, and try to see Digitala Jag if you have the possibility, because it's quite good, I have to say. And also frequently non-working meetings. This is something that Malin talks about. When you see the film, you'll see what she says. It's something that she finds very interesting, that people want to talk about everything. Maybe not work, but they need frequent meetings. So maybe even everyday meetings for the people who are working from home to get the isolation not feeling as horrible as it could be. And also e-learning, of course. Your lifelong learning is very important. Please join every single article or course that you can take if it's possible, because it makes your life much richer. And of course, wash your hands and keep the distance. Thank you for listening. Bien, merci Anna. Je propose effectivement qu'on continue cette série de témoignages. Là, nous étions plutôt du côté européen et je vous propose de changer de continent. Et je vais passer la parole à Azedine Gamraoui, le sous-directeur du partenariat de l'ANEM, qui va vous présenter l'expérience du télétravail en Algérie au sein de l'ANEM. Voilà. Azedine, vous avez la parole. Donc, Monsieur Azedine, quand vous voyez à l'écran, vous pouvez parler. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vous propose qu'on vous repasse de nouveau la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Bonjour tout le monde. Merci pour les organisateurs de leur professionnalisme. Je suis M. Gamraoui Azedine. Je suis sous-directeur de partenariat au sein de l'Agence nationale de l'emploi. Et on va essayer de partager avec vous notre petite expérience sur le télétravail. Et on a préféré de commencer par une petite présentation de l'ANEM. Si c'est possible d'avoir la présentation. Parce que là, j'ai pas la présentation sur l'écran.
que c'est possible d'avoir la présentation. J'ai pas la présentation. C'est vous qui avez la main sur la présentation. Vous avez des petites flèches pour cliquer dessus. Voilà, je vous propose qu'on vous repasse la parole. Et donc, c'est vous qui avez, avec votre souris, qui faites avancer la présentation. Merci. Alors comme j'ai dit, on a préféré de faire une petite présentation rapidement sur notre agence nationale de l'emploi, au premier plan. Et après, on va vous dire pourquoi on a choisi de travailler, de faire le télétravail. Qu'est-ce qu'on a fait dans le domaine du télétravail à la NEM, les avantages et les inconvénients, pardon, et les perspectives par rapport au télétravail. Alors, pour commencer, ça ne marche pas avec la présentation. Bien, bah, il me semble qu'on a un petit souci avec le défilement de la présentation. Est-ce que vous reprenez la parole? Alors, merci. Désolé pour le... Alors, je vais commencer par la présentation de l'ANEM. Alors, l'Agence nationale de l'emploi, c'est un service qui a pour mission la régulation du marché du travail, c'est-à-dire l'intermédiation. On a changé de dénomination de notre Agence nationale de l'emploi de l'ONAMO à l'ANEM en 1990. Notre service, l'ANEM, c'est une agence nationale de l'emploi et on, comme tout le monde le sait, on fait l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi. Et on est sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale algérienne. Voilà. Nos missions, c'est organiser et assurer la connaissance de la situation et l'évolution du marché national de l'emploi, mettre en place un système d'information permettant de renseigner de manière précise, régulière et fiable sur la fluctuation du marché de l'emploi et de la main-d'œuvre, participer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes spécifiques de l'emploi, et aussi suivre dans le cadre de la législation et de la réglementation relative à l'emploi des étrangers et prospecter toute opportunité permettant le placement à l'étranger des travailleurs nationaux. Notre effectif à l'ANEM, il est de 4991 employés. On a de 66% des cadres.
Nous sommes sur le territoire national, on appelle les wilayas, on a 48 wilayas, dans d'autres pays on appelle ça des départements. On a 323 agences, que ce soit au nord, au sud du pays, on est partout. On a 275 ADEM, c'est des agences locales, voilà, et nous sommes sur tout le territoire national. Je cède la parole à mon collègue. Donc, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment intéressant de partager avec vous notre petite expérience, comme l'a dit mon collègue. Donc, c'est monsieur Rassoul Yahya. Je suis sous-directeur au niveau du IT de l'ANEM. Donc, Alors, je prends le relais par rapport à la présentation. Alors, la présentation, pourquoi, que faire? Que faire par rapport à la situation sanitaire? Beaucoup plus sur la partie IT. Donc, il y a la crise sanitaire qui est là. Donc, il y a le COVID-19 qui est là. Donc, la question qui se pose, quoi faire? Donc, il faudra d'abord assurer la continuité de l'activité des services de l'ANEM. Et puis, les objectifs qui ont été tracés dans le cadre de la coopération, bien sûr, internationale avec nos partenaires étrangers, parce que là, on est lié sur pas mal de projets en coopération avec l'Union européenne. Voilà, donc, je passe au slide suivant, qui est les enjeux. Alors, l'enjeu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la continuité du service. La continuité du service par rapport à le but principal, bien sûr, est de fournir des services aux citoyens, parce que là, on est un service dédié, on fournit un service aux grands citoyens, qui est principalement les demandeurs d'emploi et les employeurs, bien sûr, au niveau du territoire national, parce qu'on est le levier, bien sûr, de l'emploi sur le territoire national dans le pays. Aussi, les enjeux qui se présentaient, c'est le suivi derrière, parce que là, il y a complètement un basculement par rapport à certaines conditions qui ont été émises sur le COVID-19, de par la circulation, de par l'interdiction de certaines routes. Voilà, donc il y a vraiment les enjeux de faire continuer le service et bien sûr le suivi derrière. Donc, et aussi, il y a le maintien, comme a dit nos différents collègues, sur le contact avec les intervenants, de part et d'autre, bien sûr, avec les équipes, parce que là, on intervient beaucoup plus sur l'aspect technique. Donc, il y avait le gros travail qui était là devant nous. Il y avait une charge de travail très, très importante par rapport à certaines nouveautés qui sont liées au COVID-19. Donc, je ne sais pas, la présentation ne passe pas, mais j'essaie de faire. Je vois que le micro et la vidéo marchent, mais la présentation ne marche pas. Je ne sais pas ce que... Thank you very much. I will give the floor to Thierry for a second, as it seems that your colleague is offline. So Thierry, the floor is yours. Un petit souci technique. Je voulais vous préciser par rapport aux questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Nous essaierons de les reprendre tout à l'heure. Vous devez les écrire. Vous avez une rubrique exprès dans le chat pour pouvoir les poser. Si nous n'avons pas le temps de poser à nos interlocuteurs l'ensemble des questions, nous les prendrons en note et nous nous engageons à vous les adresser ensuite et de faire une publication de vos questions et des réponses qui apporteront nos intervenants. Voilà, je ne sais pas si nos amis de l'ANEM sont prêts pour reprendre la main et présenter leur expérience du télétravail. Donc, je reprends. Oui, donc je reprends.
il y avait les enjeux. Donc, qu'est-ce qui a été ensuite les moyens utilisés? Donc, les moyens utilisés, c'était complètement la digitalisation. Donc, complètement le process, il a été dématérialisé par rapport à certains services qu'on fournissait. Donc, y compris tout ce qui est en interne. Donc, on a été sur le process de dématérialisation en ligne de certains process métiers, où on a travaillé beaucoup plus sur les... Il y a une augmentation claire sur le nombre des visioconférences. Il y a en interne aussi une plateforme collaborative qu'on a vraiment mis en œuvre, et il y a eu l'exploitation qui a augmenté jusqu'à 400% d'exploitation. Il y a la communication interne, bien sûr, entre les différents collaborateurs de l'ANEM, parce que là, c'est une communication instantanée dédiée aux collaborateurs de l'ANEM. Il y a les accès distants qu'on a pas mal fournis pour les collaborateurs internes aussi, afin qu'ils puissent travailler et continuer, c'est-à-dire le service. Il y a aussi une construction d'un environnement personnalisé par rapport à certains aspects qui sont vraiment liés à l'environnement personnel du télétravail. Il y a aussi cette construction. Donc, on a pas mal aussi, on a fourni des services aux citoyens sur des plateformes aussi collaboratives. Voilà, donc je passe au slide qui est en interne et en externe, certaines choses. Donc, il y a eu des réunions de conseil de direction qui ont été effectuées. Et il y a pas mal de réunions de suivi d'avancement sur les travaux et des bilans d'activité qui ont été effectués. Il y a des réunions de coordination qui ont été assurées aussi en interne, de part et d'autre. Aussi en externe, au profit de demandeurs d'emploi et universitaires et employeurs, il y a des ateliers techniques qui ont été animés, qui ont été effectués sur aussi même des référentiels tels que la nomenclature algérienne des métiers emploi. Là, je vais vous présenter quelques chiffres sur le travail en visioconférence qui était le point focal par rapport à toutes nos activités. Actuellement, là, je suis en call avec vous. Et dès que je termine, j'ai un autre call et j'ai un autre call aussi jusqu'à 18 heures. Donc là, le temps, là, comme je suis team lead, donc j'ai un temps précieux afin de partager certaines choses avec mes collaborateurs, faire le suivi presque, on va dire, chaque fin de semaine, faire un briefing. Et aussi, même pour les équipes, il y a toute une plateforme derrière. Et donc, vous voyez ce qui est en bleu. C'est les visioconférences qui ont été vraiment augmentées. Il y a aussi la messagerie, bien sûr, qui a vraiment fait un pic. Mais là, je parle beaucoup plus des visioconférences qui ont été vraiment phares de ce qu'on faisait. Et voilà, si j'ai à partager quelque chose, et il y avait en fait complètement un changement, je vais dire, brusque. Et là, on s'est adapté avec tous les outils qu'on a. Et là, où je pense qu'il y a quand même certaines choses qui sont des avantages, des inconvénients, qu'on en parlera après. Donc, je passe la parole à mon collègue, M. Hasdin Gamraoui. Allô, je passe la parole à monsieur. À vous, la parole à monsieur Hasdin Gamraoui. Bonjour, oui, je vois quelques questions qui arrivent et que je vais relayer tout à l'heure à nos interlocuteurs, hein. Et notamment la question, beaucoup de questions tournent autour de comment fait-on pour couvrir les territoires et aller dans pouvoir délivrer du service à distance
dans des territoires où il n'y a pas forcément de très bonne connexion. Il y a la question de l'équipement qui est posée. Il y a des questions sur le management. Donc ça, je propose qu'on y revienne tout à l'heure pendant la partie des questions. Je vais voir avec nos amis algériens si vous pouvez reprendre votre présentation. Êtes-vous connecté? Merci Thierry, merci Yahya. Alors, comme vous le savez tous, nous avons dans les institutions qui sont chargées de l'emploi, nous avons la partie de la coopération. Et je salue, je profite pour saluer un de nos collègues de Pôle emploi qui est ici dans cette présentation, qui est Patrick Bouvelien, le CRG du projet de programme d'appui à la mise en œuvre d'accord d'association Petroaza. Je le salue. Salut Patrick. Alors, on va parler du travail de coopération qui a été, à cause du coronavirus, interrompu. Mais grâce à cette méthode de télétravail, avec nos amis de Pôle emploi, par exemple, sur le projet Petroaza, on a pu avancer. 85% de toutes les activités qui ont été programmées, déjà au préalable programmées, on a finalisé jusqu'à 85% des activités qui ont été programmées dans le cadre du projet Petroaza. Et aussi, on a d'autres vidéoconférences qu'on a fait avec, dans le projet AFA, DIFE, dispositif pour améliorer l'employabilité pour une formation complémentaire. Et ainsi qu'avec le BIT, avec le Bureau international du travail, TORDIF, donc l'université au monde du travail. On a fait plusieurs vidéoconférences avec nos collègues, que ce soit de Pôle emploi ou d'autres services de l'emploi étrangers, que nous avons des projets de partenariat et de coopération avec eux. Je cède la parole à mon collègue. So I will give the floor to him. Thank you, Joanita. Je passe pour un peu partager certaines de nos expériences et j'essaierai de dire quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à ressenti en tant qu'employé et en tant qu'un. Donc si j'ai illustré quelques avantages qu'on a vraiment vécu. Effectivement, il y a du gain de temps, de transport, bien sûr avec la réduction de ces impacts qui sont liés à toutes les circonstances du transport. Il y a le travail qui va être, c'est-à-dire facile en cas d'immobilité. Il y a bien sûr un petit équilibrage, effectivement, entre le personnel et le professionnel. Donc, parfois, on se permet, entre midi et une heure, de déjeuner en famille. Et parfois aussi, même à la fin de travail, on voit directement ses enfants et sa petite famille. Effectivement, on a plus de disponibilité à faire aussi des actions et même en prendre certaines responsabilités, même en dehors des horaires de travail. Donc on est toujours disponible. Bien sûr, il y a aussi une réduction d'interruption par rapport à certaines choses afin de donner une meilleure concentration, beaucoup plus dans le domaine IT et dans le domaine technique. Ça, quand même, c'est une très important, c'est un point quand même qui est important. Effectivement, par rapport à quelques inconvénients qu'on a ressentis, je parle toujours de notre petite expérience avec mon équipe. Effectivement, il y a un isolement social qui est là, qui est complètement, parfois on sent
qu'il n'y a pas certaines informations, parfois une déperdition de quelques informations. Et il y a aussi certains collaborateurs qui sont là, qui se retrouvent en autorégulation et en automotivation, même beaucoup plus l'automotivation. Donc parfois, il y a un auto-isolement complètement, il y a un isolement et il faudra que penser à comment faire face à cet isolement avec une automotivation. Il y a la perte d'information et de temps de communication, effectivement. Si j'ai, par exemple, à faire une moyenne de calls par jour, on est à 4 visioconférences par jour en moyenne. Ça, je le fais avec mon équipe. Donc, en moyenne, je fais 4 visioconférences par jour. Donc, quand même, il y a plus de temps sur ça. Donc, on a essayé d'équilibrer entre la valeur et aussi la pertinence de faire cette visioconférence. Et aussi, on est en train d'équilibrer par rapport à certaines choses qui est liées au face-to-face qui n'est pas présent. Donc, il faudra qu'on le remplace avec quelque chose. Par rapport à l'ANEM, par rapport à l'entreprise de l'Agence nationale de l'ANEM en Algérie, donc effectivement, parmi les avantages, donc, il y a une réduction du risque routier lié au déplacement, effectivement, parce qu'il y a pas mal de risques liés, bien sûr, au déplacement routier. Effectivement, il y a l'économie sur les coûts de déplacement. Il y a aussi un grand avantage par rapport à la situation sanitaire, c'est la préservation de la santé de ses employés. Par rapport à l'inconvénient, il y a un inconvénient qui est majeur, parce qu'il y a un manque d'ancrage juridique pour le télétravail en Algérie. Donc, il n'y a pas quelque chose qui le rend légal et réglementaire. Il y est, donc c'est un inconvénient par rapport à cette crise qui le rend un point essentiel à le mettre sur la table et le discuter par les hautes autorités. Il y a le contrôle aussi des conditions de travail plus complexes. C'est pas comme avant parce qu'il faudra aussi adapter cette situation à une méthode de suivi, de contrôle des conditions, bien sûr. Il y a le management qui est aussi assez difficile, surtout de par, bon, pour le IT, c'est pas vraiment un souci, mais beaucoup plus pour les structures qui sont décentralisées. Bien sûr, la diminution de la communication interne de part d'autre. Donc, d'une manière générale, c'est ça, entre ce qu'on a au moins ressenti comme avantage et inconvénient pour l'employé et pour l'ANEM en tant qu'institution nationale. Voilà, merci, je cède la parole à mon collègue Azdin Gamraoui. La parole pour M. Azdin Gamraoui. Donc, je cède la parole pour M. Azdin Gamraoui. Je cède la parole à M. Azdin Gamraoui. Merci, Yahya. Alors, pour la fin, les perspectives. Alors, nos perspectives, c'est de, bon, après tout ça, après la présentation des avantages et des inconvénients, on veut qu'en perspective faire un cadrage et aménagement des horaires en télétravail, et aussi créer des nouvelles offres de services en lien envers les employeurs et les demandeurs d'emploi, dématérialiser quelques process métiers, et aussi un levier de recrutement à distance. Avant de terminer, si vous permettez, je veux, je, je,
Parce que quand on parle de coronavirus et de la pandémie, toutes mes condoléances pour votre collègue de la Suède. Je veux aussi partager avec vous ma propre expérience, si vous permettez, sur le télétravail. Alors, depuis mars, j'étais en confinement. Et puis, je suis marié ce dernier décembre, 31 décembre. Alors, moi, ce télétravail m'a rendu un nouveau marié heureux parce que j'ai passé beaucoup de temps à la maison avec ma femme. Merci tout le monde et merci pour votre aimable. Je remercie aussi tous les organisateurs encore une fois pour leur. Merci pour ces présentations. Je vous propose maintenant de prendre quelques questions et ces questions-là, je propose dans un premier temps de les traiter avec John Messenger, qui travaille depuis longtemps, s'intéresser aux questions du télétravail. Il suit ça depuis des années et des années. Il travaille pour le Bureau international du travail et il a accepté d'intervenir. Donc, je vais me permettre de prendre dans nos questions et de lui en poser. Je vais essayer d'en poser deux à la fois, cher John. Il y a des questions autour de l'évolution du télétravail, comment il a évolué, mais ce qui nous intéresse particulièrement, si vous pouviez concentrer votre intervention sur quels sont les effets aujourd'hui plus significatifs qu'on voit sur le monde du travail de ce développement du télétravail. John, si vous êtes prêt, je vous passe la parole. I know there have been some really difficult times during the webinar with people hearing. So I assume everyone can hear me. Yes? If everyone can hear me, then I'll go ahead. So in terms of how telework has evolved, I think it's important to consider the big picture. And what we sometimes don't realize is that telework actually has been around for quite a long time. It began in California actually way back when in the 1970s, in the mid-1970s. It was invented by a fellow by the name of Jack Niles, who used to, at one point in his career, work for NASA, the National Aeronautics and Space Agency that sent astronauts to the moon. So he was very much a big thinking guy looking for new ideas. And at the time in Southern California, they had both very advanced information technology, which they still have today, but they also had probably some of the world's most advanced traffic jams. So they had huge problems with traffic. And the idea of telework or telecommuting, as it was first created, was commuting by means of telecommunications. That is, instead of getting in your car and driving to work along with millions of other people and clogging up the roads, you could actually work at a distance by means of communication. So you could commute by means of telecommunication. So that's where it came from. And then since then, telework has evolved in three identifiable stages, which I talk about in my recent book, which is called The Telework in the 21st Century, An Evolutionary Perspective, and the introduction. It came out, believe it or not, last November, and I had no idea that the pandemic was coming when I put it out. Nobody actually was interested in it for the first few months after it was out. Then all of a sudden this year in March, with the COVID hitting Europe especially and the confinement and lockdown measures that followed, all of a sudden everybody seemed to be interested. So anyway, it's evolved over time in three generations, the first being the home office in the 70s and 1980s, which ironically is kind of where we're back to today. The idea that you were working mainly from home in lieu of going to the workplace. Then it turned into the mobile office, where you could actually start working with laptops in different locations, not just at home or in the office or at the employer's premises, office or factory or whatever, but you could actually work at places in between too. You could work on trains and planes and other kinds of vehicles. You could work in coffee shops and other places as well. And more recently, with the coming of the internet, has come what I call the virtual office. And the virtual office is working anytime, anywhere. As we talked about also in a report that I did with the European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions a few years ago, which means you can literally, if you have an internet connection, you can work anywhere and at any time. And of course, this has
massive implications in terms of the effects on the world of work. Because while it's fine to work anytime and anywhere, it's really a bad idea to be working at every time and everywhere. You get into excessive hours, you get serious problems of all kinds. So what do we see in terms of the effects of telework on the world of work? Well, let me try to summarize it in a nutshell. I mean, on the positive side, the advantages of telework, workers report a reduction, of course, in commuting time. That seems pretty obvious. Some of the colleagues from Algeria talked about that as well. They also have greater working time autonomy. That is, greater autonomy in the way they organize their given number of hours of work so that they can organize it in a way that helps them to actually be able to handle both their paid work and also their unpaid responsibilities, whether family responsibilities and other household tasks, personal things, leisure, whatever. They can organize their working hours, their working time in the way that best suits them. We also see a better overall work-life balance for workers who telework, as well as higher levels of productivity. Certainly at least the same level, but in some cases, in fact, in many cases, managers report and employees themselves report that workers are actually higher performing than they were before teleworking. On the downside, you see disadvantages, longer working hours. The problem is not, as many managers seem to fear, that workers who are working remotely won't be working as hard or as long. The problem, the danger is workers who work remotely have a tendency to work longer hours, actually. So longer working hours, an overlap or a blurring between paid work and personal life, which can cause a lot of work-life conflict, a lot of conflict between paid work and personal life. That's an issue, and managing the boundary is very, very critical. We call it work-home interference in the social science literature, as well as the potential for work intensification because you work more interrupted. And that's a good thing in the sense that you are focused on your task and therefore you can concentrate, but you can also end up really working intensively. You can end up sitting down in front of your computer and working nonstop for hours, and that becomes too much. So there is both upsides and downsides with this. And one key thing I would emphasize is that this pandemic, which we've seen an explosion in telework, is not how telework was designed to be practiced. Telework is supposed to be voluntary, and it's supposed to be done generally on a part-time or occasional basis, not mandatory forced teleworking being done on a full-time basis permanently. So it shouldn't be mandatory, full-time and permanent. It should be voluntary, part-time or occasional, and generally temporary given the situation, although you might have a permanent arrangement for 1 or 2 days a week. So that's sort of what we see in terms of evolution, and that's what we see in terms of the basic effects of telework on the world of work. Thierry, did you have another question? Oui, merci John pour cette première réponse. Oui, oui. Il y a effectivement des questions, et notamment des questions sur les perspectives pour l'avenir. Là, vous avez évoqué la possibilité de travailler avec un modèle mixte, c'est-à-dire une partie des activités en télétravail, une partie aussi où on essaye de travailler sur son propre lieu de travail, ne serait-ce que pour travailler sur la régulation d'équipe. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez une poursuite de ce développement du télétravail pour l'avenir, ou est-ce que vous voyez au contraire des freins qui pourraient se poser, et des freins, je ne sais pas, législatifs ou des choses comme ça, ou des freins techniques, ou des freins en termes de préparation de l'encadrement, des décalages culturels. Comment voyez-vous l'avenir? Merci John, je vous redonne la parole. I prefer to speak actually in English, even though, en fait, j'habite en France, et ma maison est en France, et je travaille ici presque tout le temps maintenant, depuis 6 mois. But I really do prefer to speak in English to be sure I hit the points exactly. I mean, it depends. In terms of the future, what do I foresee? It really depends on a number of different things. One is you've got to be able to have the capabilities. Even here in France, I've been challenged in terms of my internet connectivity.
I was previously living in an apartment in Geneva, and the connectivity was much better because they have fiber optic cable there. And so everything is virtually instantaneous, and I never have any problem doing anything there. Whereas here, I've been challenged in a number of different things. Now things seem to be stabilized since I've started to use a cable to connect directly to my internet box. But this is a perfect example. So even in rural France, 40 kilometers from Geneva, we have problems with connectivity. And those countries that have internet connectivity problems, or more rural areas of countries that might have very good connectivity in major cities, will pose a barrier to telework. But I see the bigger barrier, and the bigger barrier throughout, as my research with Eurofound and also my book that just came out, both point in the same direction, and it's organizational resistance and managerial resistance, because organizations and managers generally don't want to cede control over workers. And they're used to managing workers in a certain way. Often it's more monitoring than it is actually managing the worker. In order to be able to make telework effective, not only beneficial for the worker, but also beneficial for the organization, you need to manage by objectives. You need a results-based approach. You need to use very clear objectives, tasks, milestones, specific dates for deliverables, and regular, but not too heavy, check-in periods. So not every day, maybe every week, maybe every couple of weeks. But the key is to have a basic results-based framework in place, and that will hopefully, one, facilitate achieving the objectives, and two, help make managers more comfortable with allowing this. Now, there was no choice in the case of the pandemic. That's one of the reasons I think this is a breakthrough moment for telework. Because organizations, if they wanted to continue functioning, they had to do something, and the best available option was working from home, you know? So that's what they did. They were forced to do it. So it sort of broke through this long-standing barrier to telework. And I think it has changed mentalities. People have struggled through. We heard from some of our colleagues, for example, some of our colleagues in Belgium, in the Flemish part of Belgium, talk about how hard it was at the beginning, what a great adjustment it was for them. It was an enormous adjustment, and people weren't prepared. And this is not how you should do it. You should do it making sure people have the right equipment, both hardware and software, the right training, the right preparation. That's for both the employees who are telework and also the managers who are managing remote teams. It's much harder to manage remote teams than it is to manage a team in the office. So all of this is key in order to ensuring that this works properly. Now, I do think the future for telework looks much brighter than I would have predicted even during the time of publication of my book last year. It's simply because I think we've broken through a lot of barriers, many of them psychological barriers to the use of telework now, and people are more ready to embrace it. At the same time, having seen both the upsides and the downsides, they recognize that the best way to do telework is not, in fact, full-time, permanent basis, which is kind of how I'm doing it now, but then again, I'm an expert at it, so it's a lot easier for me. But rather, to be able to spend part of the time in the office reconnecting with colleagues and the organization, having time to chat at the coffee pot or the water cooler, having time for those social interactions, for in-person meetings and things like this. You know, I mean, it is better to have some in-person interactions, not all remote interactions. But at the same time, if you go half-half, which seems to be, as I said, the sweet spot, the ideal, then half the time working remotely, then you have time for concentrated focus on tasks, being able to sit down and write reports, being able to sit down and write papers, write memos, write or do whatever you need to do, thinking work, analytical work, data analysis, I mean, that you can do best by yourself in a quiet place. And I can't think of a better place than your home, unless, of course, you have a lot of young children, in which case you certainly need to find a place that's really cut off from the rest of the house. You need your own little office. You can close the door and focus, because that's the strength of telework. It allows you to focus on specific tasks and really do them in an intensive and focused way. So half-half, I think,
I think that's what organizations are going to realize going forward when they learn the lessons of the pandemic. I think they're going to realize, hey, telework works a lot better than I thought. But at the same time, to be able to maintain the bonds within a team and within an organization, you need time together physically. So you need a balance between the two. And that's kind of what I think is going to happen in the future, much greater use of telework than prior to the pandemic. But it's going to be mostly on a voluntary basis, mostly part-time or occasionally, and it's going to be something that really is done in combination with working in the office. Merci John. Juste une précision pour compléter un peu la question, puisque c'est une autre question qui est posée. On me dit, peut-on évoquer la question de la localisation de l'emploi, est-ce au lieu de l'entreprise ou à celui du domicile? Là, je voulais juste apporter un témoignage que nous avons de nos collègues allemands. En Allemagne, commence à se développer aussi des plateformes qui sont dans les zones rurales, où des travailleurs qui sont en télétravail se regroupent pour retrouver un espèce de collectif de travail. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a aussi la notion de lieu de travail est complètement en train d'évoluer. Voilà, ben merci John Messenger. Je propose maintenant de donner quelques mots de conclusion, puisque le temps que nous avions imparti à cet échange et à ce partage touche à sa fin. Donc, si notre président, M. El Madani, est là, je suis prêt à lui passer la parole. Hi, Thierry. He is not available, so I give you the floor back. Oui, bonjour. Vous me repassez la parole, si j'ai bien compris. Donc, je vais en déduire que M. Badadi n'est pas tout de suite en ligne. Il doit être en cours de connexion. Donc je vais en profiter pour reprendre peut-être quelques questions. La question du management, qui a priori revient beaucoup dans vos questions. On voit que les endroits, effectivement, les SPE qui ont témoigné d'expériences qui ont marché dans le télétravail, avaient déjà commencé à travailler ça en amont, et pas uniquement sur des aspects techniques, mais bien souvent sur du travail avec leur manager, pour travailler sur un autre mode de relation managériale, plus axé sur la confiance. Et ça a permis, quand il a fallu basculer dans le confinement, pour beaucoup de services publics de l'emploi, de pouvoir complètement se mettre en position de travail et avoir la même productivité. Voilà, je vais voir si de nouveau M. Abdelmoumen El Badani, notre président, est en ligne. Hi again, Thierry. Thank you. Hi again, Thierry. Thank you very much. Mr. El Madani is not participating and will not participate in the meeting today. So I give you the floor back. The floor is yours. Je vais vous proposer de clôturer ce webinar. Nous allons prendre en note l'ensemble des questions que vous avez posées à l'intérieur du chat. Et nous vous engageons dans les jours qui viennent avec l'ensemble de nos intervenants à vous apporter des réponses. Et nous vous engageons aussi, nous mettrons un certain nombre de documents en ligne sur le site de l'AMSEP qui nous permettront éventuellement soit de poursuivre les échanges, soit de voir un certain nombre d'autres témoignages qui ne pouvaient pas figurer ici dans ce webinar. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, les équipes techniques. Désolé encore pour les difficultés techniques que nous avons rencontrées, qui montrent bien, si on avait besoin de cette preuve-là, que la maîtrise technique est une compétence qui reste à développer. Et voilà, et je vous remercie au nom de l'AMSEP, au nom de son président, de ses vice-présidents et de l'ensemble de l'équipe. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur le site de l'AMSEP.
Thank you very much, Thierry. Thank you very much, every speaker and every participant. Have a very nice day, and we hope to see you all again soon in the virtual world, of course. Thank you very much.